Ce décès fut l'un des plus marquants parmi ceux des chanteurs français. Le 25 avril 1975, Mike Brandt tombe du 6e étage de l'appartement de son ami Jean Kaki, au 6 rue Erlanger, et succombera à ses blessures. Ses proches ont pensé au suicide, mais l'accident reste aujourd'hui encore très mystérieux. Après le décès incompris du chanteur, la rue Erlanger a été le théâtre de bien d'autres événements atroces. Cette accumulation d'horreurs a donné à cet endroit du 16e arrondissement la réputation et l'appellation de la rue la plus maudite de Paris. Deux autres affaires sordides ont également eu lieu dans la rue Erlanger quelques années après le décès de l'interprète de Laisse-moi t'aimer. En 1981, une nouvelle affaire vient ébranler le calme de la rue Erlanger. Le 11 juin, un étudiant japonais de 32 ans nommé Issei Sagawa est installé au 10 rue Erlanger, qu'une néerlandaise de 24 ans qu'il avait invité chez lui. Si l'acte du crime en lui-même est déjà suffisamment horrible et condamnable, le pire reste à venir. Après avoir tué la jeune femme à l'aide d'une arme à feu, le japonais l'a par la suite dépecé puis a mangé sa chair. Depuis ce jour, l'homme est connu sous le nom du japonais cannibale mais n'a pas été déclaré responsable de ses actes et a été libéré après un non-lieu. Celui-ci a par la suite été extradé au Japon. En 2019, la rue Erlanger connaît un autre drame, et consolide sa réputation de rue maudite. Dans la nuit du 4 au 5 février, une femme ivre et psychotique de 40 ans faisait énormément de bruit, et a été réprimandée par son voisin. Celle-ci lui a par la suite dit, « Regarde-moi droit dans les yeux. Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser. » Elle mettra ensuite le feu à l'immeuble de la rue Erlanger une demi-heure plus tard, et l'incendie fera 10 morts. Ces trois drames, à la nature totalement différente mais toutefois aussi horrible, a ainsi donné à la rue Erlanger sa réputation de rue maudite.